Hey bien, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Là comme vous le voyez, voilà, on est au milieu d'une route. On est à côté du coup de Port Aventura. Si vous voulez, on est sur la route. On voit le magnifique Red Force juste derrière. Et là du coup vous êtes sur la plus grosse vidéo du coup de ce voyage. Car pour vous expliquer, on reste à Port Aventura sur le resort pendant 5 jours au total et 4 nuits. Et du coup sur ces 5 jours on va pouvoir faire Ferrari Land du coup qui est derrière. On va pouvoir faire Port Aventura. Et on va faire également le parc aquatique. Donc le parc aquatique, il n'y aura pas de vidéo. Et du coup cette vidéo va se concentrer du coup sur à peu près je pense les 5 jours au sein du coup du parc Port Aventura. Et il y aura une deuxième vidéo qui sera spéciale pour le parc Ferrari Land. Donc maintenant on va aller sans plus attendre du côté des hôtels pour aller s'enregistrer. Et c'est parti pour la vidéo à Port Aventura. Donc ça y est, on vient tout juste de faire toutes les démarches à l'hôtel, voilà, pour récupérer la carte, tout ça. Soit on ira vraiment tout à l'heure quand on aura vraiment la chambre, comme ça je vous montrerai en même temps la chambre. Mais déjà là, on rentre tout juste dans le parc. Je suis pas, ça se voit, je pense que ça se ressent à la caméra, mais je suis vraiment super content. Et ça me fait bizarre d'être ici, car ça fait vraiment des années que je parle, que je me dis, il faut que je fasse Port Aventura. Et là ça y est, j'y suis enfin. Et regardez la vue qu'on a juste ici sur le lac. Voilà, on a Shambhala juste derrière. On a Furious Baco ici, enfin c'est fou, rien que de dire ça c'est fou en fait, j'ai du mal à y croire encore que je suis à Port Aventura. Donc on va découvrir ça, pour vous dire, aujourd'hui là on a pris un Express Max, en gros c'est un pass si vous voulez où on peut passer une seule fois par attraction, voilà, une fois sans faire l'attente, car je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde étant donné qu'on est en juillet, et on aura également pour une autre journée dans le séjour un pass illimité, voilà, ça permettra là vraiment de passer plusieurs fois, voilà, dans les attractions pour éviter un petit peu l'attente. De toute façon, voilà, comme d'habitude, je vous dirai un petit peu mon ressenti global de Port Aventura sur un peu tout, sur la gestion, car c'est vrai que c'est beaucoup critiqué Port Aventura sur la gestion des flux. Donc je vais découvrir ça. Par contre, en tout cas, pour le moment, j'ai trouvé que les personnels étaient vraiment aimables. Voilà, donc à voir si ça va continuer au niveau des attractions, des opérations, tout ça. Mais au niveau de l'accueil, en tout cas, pour l'instant, franchement, j'ai été vraiment surpris. Donc on va voir pour la suite. De toute façon, là, il est à peu près 13h, donc voilà, la journée est déjà bien entamée. On entre tout juste dans le parc, mais comme j'ai dit, comme on a du temps, voilà, c'est pas trop gênant. Et le parc ce soir est ouvert jusqu'à 23h. Il y aura un spectacle sur le lac juste ici. Donc là du coup on se dirige vers la zone far west. Et là comme il fait très très chaud, il doit faire à peu près 30 degrés. On va aller faire tout de suite le rafting. En gros voilà, qu'on voit juste derrière, je sais pas si on va voir. Juste en bas là, voilà, juste ici. Donc je sais pas s'il mouille ou pas, on va voir. J'espère qu'il va mouiller car on a vraiment besoin d'être rafraîchi. Voilà, on voit juste ici, il y a le petit courant qui passe là. Par contre il n'y aura pas d'on-ride et non plus pendant le séjour car simplement les on-ride sont interdits dans les attractions. Du coup je vais uniquement voilà, filmer des off-ride, ce sera filmé de l'extérieur. Mais bon, de son des fois c'est tout aussi sympa. Bon donc du coup ça y est, nous sortons tout juste de Grand Canyon. Alors franchement bon, assez déçu dans le sens où bon, c'est l'attraction aquatique mais elle mouille quasiment pas. Peut-être après c'est qu'on n'a pas eu de chance, je le refais plusieurs fois pendant le séjour. Mais pour l'instant c'est vrai, bon, c'est pas une attraction qui mouille énormément. Mais autrement franchement, première impression, enfin globale du parc pour l'instant, plus ça va et plus j'avance, c'est qu'il a franchement une belle intégration. Regardez la zone far west par exemple. Franchement c'est super mignon, c'est très joli. Ça dépayse vraiment.
Donc là actuellement je suis dans la file d'attente de Stampida du coup pour aller faire le parcours rouge. Alors il y a deux parcours pour se vous dire, c'est un wooden coaster du coup dueling. En gros il y a deux parcours côte à côte avec les trains du coup qui suivent. Et on va tester ça car je n'ai pas encore fait de dueling coaster, donc ça va être la découverte. Par contre apparemment voilà il est vraiment pourri. Apparemment il fait très très mal. Donc on va voir si jamais il tient vraiment la réputation de coaster vraiment qui tape. Je vous dirai en sortant. On va faire du coup le rouge et juste après on essaiera de faire le bleu. Alors du coup ça y est je suis sorti de Stampida. Alors franchement bon Stampida elle tient bien sa réputation en tout cas de ce qu'on a pu dire. C'est vrai pour l'instant, enfin pour ma part en tout cas, c'est le pire wooden coaster que j'ai ridé. Après bon il reste rideable quand même hein, voilà ça reste un coaster, voilà il reste faisable. Par contre c'est vrai qu'il y a des à-coups, franchement il tape énormément, il vibre énormément. Et c'est ça finalement qui fait que ça gâche un petit peu le parcours. Car il y a plusieurs moments même où le train ralentit tellement on a l'impression qu'il va s'arrêter. Et quand il redémarre, voilà, on tape vraiment, même juste en sortant de la gare pour aller en bas du lift. Rien qu'à ce moment-là, on tape. Donc bon, ça annonce un petit peu la couleur. Mais par contre, ce qui le sauve un petit peu, on va dire, c'est le fait qu'il soit dueling, c'est-à-dire deux trains qui sont côte à côte. Ça rajoute vraiment un plus à l'expérience. Le fait de pouvoir se voir, voilà, les deux trains à côté, enfin, franchement, c'est spécial, c'est assez sympa. Alors par contre, on a fait que le train rouge, il restera le train bleu à faire pendant le séjour, donc soit aujourd'hui, soit plus tard. Et il y a un troisième coaster en bois, en fait, au total, il y a trois wooden si jamais on compte le dueling comme deux coasters séparés. Il y a c'est Tomahawk, enfin je sais pas trop comment ça se prononce, mais en gros c'est un wooden coaster plus familial. Donc lui franchement il tape un peu moins, il est assez sympa, bien qu'il y vibre quand même. Mais c'est vrai que c'est assez fou pour le principe de se dire que dans le parc au total bon on a 3 wooden coasters. Bon donc là je suis un petit peu décoiffé car on sort tout juste de Furious Baco. Franchement bon c'était vraiment sympa, surtout la partie lancement, franchement ça elle envoie vraiment, ça fait longtemps je n'ai pas fait un launch vraiment de cette puissance. Et je dis ça fait longtemps mais je crois que je n'ai même jamais fait un launch de cette puissance. Surtout niveau accélération c'est vraiment d'un coup quoi, ça fait vraiment attaquer un coup sec. Après le seul problème si vous voulez c'est qu'il vibre un petit peu, enfin il vibre même pas mal dans certains virages. Mais il est quand même impressionnant vraiment avec la vitesse qu'on prend dans le launch et surtout comme j'ai dit c'est un launch qui envoie direct. De toute façon vous avez vu avec quelques plans de coupe, même si on voit pas forcément toute la partie derrière, bon ça résonne un petit peu en même temps car là on est retourné dans l'hôtel. Et regardez franchement l'hôtel, mais il est magnifique. Voilà, vous voyez un petit peu dès qu'on arrive, c'est la vue qu'on a tout simplement ici. De toute façon c'est pareil là juste après je vais vous montrer sûrement des petits plans de coupe à quoi ressemble l'hôtel. Car il est vraiment super beau, on a même voilà une petite terrasse ici. De la terrasse, on voit Red Force juste derrière s'il n'y a pas de faux jour. Et on voit en plus le train qui drop. Franchement, ouais, c'est un super hôtel qui est très très dépaysant. Alors donc du coup, ça y est, voilà, on est dans la chambre d'hôtel. Alors franchement, je vais tourner la caméra. Voilà. Franchement, elle est vraiment bien. On ne se rendra peut-être pas compte à l'image, mais elles sont franchement assez spacieuses. Voilà, un petit miroir jusqu'ici. On a un bureau, une télé, un grand grand lit, franchement c'est pareil, avec une belle déco, vraiment c'est tout est sur le thème un petit peu méditerranéen. Un petit canapé, et le petit plus, ce que je trouve bien, on a un balcon juste ici, avec la vue, enfin on voit pas trop derrière les arbres, mais là il y a une piscine. Là pareil, il y a tout un endroit, toute une sorte de plage.
franchement c'est vraiment super reposant comme cadre. Et puis juste après du coup le côté salle de bain pareil hein, qui est, elle est assez grande franchement, c'est, enfin elles sont pas mal. Après ce qui est vraiment bien dans cet hôtel, je crois qu'il y a d'autres hôtels qui sont comme ça, c'est qu'il y a une entrée directement vers le parc. Donc là c'est cool simplement pour accéder au parc rapidement. Donc maintenant on va retourner vers l'extérieur car il y a deux piscines, du coup je vais vous en montrer une seule. Mais pour vous montrer vraiment le cadre qu'il y a car c'est hyper dépaysant franchement. Le thème méditerranéen franchement est respecté à 100%. Donc là le temps est un petit peu passé car on vient tout juste de sortir du buffet de l'hôtel. Et franchement c'était assez bien, il y avait pas mal de choses. Même du coup la piscine de l'hôtel qu'on a pu tester, elle était aussi vachement bien, franchement assez grande. Et là avec le coucher de soleil c'est vraiment super beau, avec Furious Baco juste derrière moi. Et Furious Baco comme je vous ai dit tout à l'heure, franchement j'ai vraiment bien aimé. Enfin malgré franchement ça vibre, c'est vrai que ça gâche un peu par moment. Le lancement franchement c'est vraiment un lancement qui envoie. Et c'est vraiment ce que je retiens le plus de ce coaster. C'est vraiment un lancement très 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 punchy. Et jusqu'à maintenant, franchement, c'est le lancement, on va dire, qui m'a vraiment le plus fait, on va dire, voilà, le plus mis une impulsion au démarrage. Après, demain, c'est vrai qu'il y aura aussi le lancement de Red Force à Ferrari Land, mais après, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est pas un lancement d'un coup qui est sec, c'est plus un lancement qui est en continu. Donc, malgré qu'il aille plus vite, je sais pas s'il fera plus de sensations ou moins. Donc, de toute façon, je vous dirai ça, voilà, lors de la prochaine vidéo à Ferrari Land. Donc, alors là, maintenant, nous entrons dans le quartier polynésien et franchement, c'est super beau. Vous voyez, c'est énormément, il y a beaucoup d'arbres. C'est, enfin, franchement, c'est vraiment très, très, très dépaysant pour le coup. Il y a un spectacle en plus en fond, j'ai l'impression. Et là, on va sûrement aller vers le fond du parc pour aller faire du coup Dragon Khan et Shambhala que je n'ai pas encore fait. J'aimerais bien les faire au moins avant la fin de la journée. Et de toute façon, après les autres jours, il y aura encore d'autres choses à voir au parc. Car il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Regardez ce point de vue derrière. Je sais pas si on verra avec le contre-jour, mais c'est vraiment super beau. On a une magnifique vue sur Shambhala et Dragon Khan. Et comme je dis, autrement c'est vrai que le parc, franchement, regardez, il y a des espaces un petit peu avec des cascades, tout ça. Enfin, c'est vraiment un cadre qui est dépaysant. C'est super agréable pour se promener dedans. Donc là la nuit commence à tomber et je sais pas si vous entendez derrière, mais là il y a du gros coaster, voilà, on va tourner tout de suite. On a Dragon Khan et Shambhala. Franchement mais c'est incroyable vraiment d'être ici, de me dire je vais enfin pouvoir les tester. On voit Shambhala en plus qui drop juste ici. J'ai tellement hâte, vraiment j'ai tellement hâte. Du coup ça y est, je sors de Shambhala. Franchement c'était incroyable. C'est juste ça à dire, incroyable. Vraiment il y a des airtime, en gros la sensation de décoller à plusieurs moments dans le parcours, c'est vraiment super.
On a une vraie sensation de vitesse. Par contre, sur le train, la différence, on va dire, avec Silver Star, c'est qu'on est sur des sièges qui sont en quinconce, ce qui fait qu'on a une vue quand même qui est pas mal quand on est dans le train. Et ça, franchement, c'est vraiment appréciable. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pu du coup le découvrir sous la tombée de la nuit. Et je trouve que ça rajoute vraiment un cachet en plus, voilà, pour découvrir cette attraction magnifique. Et donc là, on va se diriger vers l'entrée du parc pour voir la parade du parc et le feu d'artifice pour conclure cette journée. Du coup, nous sommes le deuxième jour, donc normalement c'est la suite de la vidéo pour vous. Et alors du coup là, je suis au niveau d'une zone que je n'avais pas encore vue hier, où il y a une attraction qui s'appelle Angkor, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en gros, c'est un splash battle. Alors j'en sors tout juste, et franchement, il est vraiment magnifique. Voilà, vous voyez un petit peu avec les images, avec ce qu'il y a autour. Et ce que j'aime vraiment, c'est qu'au-dessus de ce splash battle, du coup, il y a une passerelle, voilà, qui est juste ici. Et on a de magnifiques points de vue sur Shambhala et Dragon Khan qui sont juste derrière. Et en même temps, pour tous ceux qui veulent savoir, ce splash battle, clairement, bon, on se rend peut-être pas compte parce que le t-shirt là est vraiment totalement trempé. Franchement, il mouille énormément. On est vraiment, on se fait rincer du début à la fin, soit par les personnes, soit par les effets. Et là, on va se diriger dans la zone polynésienne du côté de Tutiti Splash, je crois, c'est comme ça que ça se prononce, je suis pas sûr. Mais en gros, c'est un peu le même type que le Grand Splash. Si vous voulez, ça fait vraiment une grosse barque, voilà, dans des canaux avec des descentes. Et il a l'air de bien mouiller, franchement, de ce que j'ai pu voir hier rapidement. Donc bon, là, on a vraiment hâte car il fait très très chaud, hein, il fait 30 degrés encore aujourd'hui. Vous voyez, le temps est magnifique, il n'y a quasiment pas de nuages. Alors donc du coup je suis sorti de Tutiki Splash. Alors là on voit pas, je ne suis plus mouillé étant donné que j'ai fait pas mal d'attractions entre temps. On a pu refaire Shambhala et Dragon Khan. Donc c'est pour ça en même temps là que ça m'a pas mal séché et en plus avec la chaleur. Je pense franchement Tutiki Splash, je galère à le prononcer. C'est vraiment l'attraction à l'heure actuelle qui mouille le plus, enfin que j'ai pu tester. Même par rapport à River Quest à Fantasyland, lui déjà qui mouille énormément. Je pense on est pas loin derrière car si vous voulez au moment de la première descente, on se prend déjà la vague de base. Mais il y a un retour de vague, si vous voulez, qui rentre dans le bateau. Et là, on est sûr d'être rincé. Franchement, c'est vraiment bien, surtout à PortAventura, étant donné qu'il fait très très chaud. Et autrement, franchement, Dragon Khan, alors, c'est comme j'ai dit hier, j'ai pu le refaire, du coup, cette fois-ci, plus de jours. Ça reste tout aussi sympa, franchement. Par contre, c'est vrai qu'il vibre un petit peu. Mais ça reste un vieux BM, franchement, donc c'est normal qu'il ait qu'il vibre un petit peu. Et après, Shambhala, franchement, il reste excellent. Il rentre dans mon top 10 à coup sûr. Je sais pas encore à quelle place je vais le placer. Mais clairement il rentre dans le top 10, ça c'est certain. Donc là dans le parc il va nous rester quelques petites choses à faire, comme par exemple le train de la mine, la tour de chute. Je regarde en même temps car regardez en même temps là le train qui va passer tout de suite. Ouais, ça rend super bien.
là maintenant on est dans la file d'attente pour aller faire El Diablo. En gros c'est le train de la mine du parc, donc on voit quelques rails qui passent derrière. Par contre je sais pas ce qu'il vaut, apparemment les avis que j'ai eu il est vraiment pas très bien. Et quand je vois la tête que ont les rails, enfin à quoi ressemblent les rails, j'ai rarement vu des rails qui ressemblent à ça, en fait ils sont vachement écartés, enfin ils sont vachement bizarres. Donc je pense que ça va taper. Après ce que je trouve bien quand même c'est qu'il a l'air quand même d'être vraiment bien intégré. Bon du coup alors là je sors tout juste de El Diablo. Et que dire que dire. Alors déjà au niveau des trains, bon ils sont pas super bien conçus. Étant donné que si vous voulez quand on rentre il y a les lap bars qui viennent se fermer. Elles restent pas bloquées en hauteur, elles viennent se fermer. Du coup c'est vachement compliqué à s'asseoir, surtout quand on a un sac. Il y a quasiment pas d'espace vraiment même pour juste pour passer d'une place à l'autre dans le train. Enfin ils sont vraiment bizarrement conçus. Après au niveau du rail dans lui-même, j'ai trouvé que le parcours en tout ça en tout cas était très bien intégré. Franchement on serpente à travers la roche tout ça. Enfin il est vraiment bien fait, on passe à côté du flume. Mais autrement du coup ouais, franchement comme j'ai dit le train à mine il est vraiment très bien intégré. Après c'est juste au niveau de certains virages franchement ils sont vraiment bizarres en fait. Faut s'y préparer, faut bien regarder le rail parce que vraiment il fait des sortes de courbures le rail. Il y a intérêt vraiment à bien anticiper si on veut pas se faire mal. Donc là maintenant on va se diriger du côté de Stampida du coup, le Wooden Coaster. Là je vais pas refilmer étant donné que j'ai déjà filmé un petit peu hier. Surtout pour faire le côté qu'on n'a pas encore fait du coup, le côté bleu. Et puis juste après avoir fait Stampida, on va se diriger du côté de l'hôtel El Paso pour aller du coup prendre un buffet là-bas. Hier on a mangé du coup l'hôtel PortAventura où on séjourne. Mais on peut manger dans plusieurs buffets d'hôtels différents. Donc là on va tester le buffet El Paso. Comme en plus on est dans la zone à côté. Mais ce qui me surprend le plus la PortAventura si vous voulez, c'est que j'avais pas anticipé vraiment l'aspect thématisation. Enfin regardez juste cette zone au niveau du Huracan Condor, la tour de chute. Enfin il y a vraiment de très très beaux décors un peu partout. Et il joue aussi beaucoup avec la végétation, avec les palmiers tout ça. Et la végétation dans un parc c'est super important. C'est vraiment ce qui fait qu'on est en pleine immersion. Donc maintenant nous sommes de retour dans la zone chinoise du parc. Voilà juste ici où on peut retrouver le magnifique Dragon Khan et Shambhala. Et c'est en même temps sur ces images voilà, que va s'achever cette grosse vidéo à PortAventura. Alors en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi ça a été un énorme plaisir à la tournée franchement de vous faire découvrir PortAventura si vous ne connaissez pas. Et même ça m'a permis, enfin vous avez vu un petit peu mes réactions de découverte, enfin la découverte de toutes ces attractions et de ce parc. Alors après en même temps j'en ai pas parlé mais j'ai pu du coup tester la tour de chute. En gros si vous voulez c'est une tour de chute, on la voit à peine mais en gros qui est juste derrière, qui monte à 100 mètres de haut. Alors il y a plusieurs positions, il y a la position debout, moi j'ai fait la position uniquement assis. Et franchement bon, j'ai fait plusieurs tours de chute de Intamin, parce que c'est des tours de chute Intamin du coup du même type qu'à Walibi Belgium par exemple. Il y en a une comme ça aussi à Frépertuis et à Holiday Park. Et franchement bon, elle m'a pas fait la sensation on va dire des autres tours de chute Intamin. C'est à dire j'ai vraiment pas eu la sensation où il y a le bit qui soulève un petit peu. Là ça me l'a fait très 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 faiblement. Et après autrement j'ai pu tester Street Mission. En gros si vous voulez c'est un petit dark ride interactif où on peut tirer sur des cibles. Et franchement je l'ai trouvé super intéressant. En gros on a du coup des lunettes 3D. Alors de base je suis pas forcément fan des dark ride avec lunettes 3D parce que souvent la qualité n'est pas terrible. Mais là franchement la 3D était vraiment bien, ça sortait vraiment pas mal de l'écran. Et ce que j'ai bien aimé c'est que du coup c'est un dark ride qui mélange écran et décor réel. Mais c'est vraiment ultra bien dosé, vraiment il y a pas mal de décors réels et les écrans sont juste là où il faut. Donc si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !